Bon détail, TV. Je vous invite à noter parce que les bails pour nous connaître. Nous t'ai dit dans l'émission matin débat et Guerrier Henry, bah j'ai oublié ça. Il t'a invité ici avec Jean-Ismaël Balistin, l'équipe de Boucaté de la Parole. Il t'a dit dans l'émission matin débat que nous t'ai dit déjà dans Radio Signal que la vie du président Jovenel Moïse est en danger. Que le président Jovenel Moïse est en danger. Parce que comme ti nèg qui sorti dans la province, qui vient là dans Port-au-Prince, choisi par le président Joseph Michel Martelly, que classe bourgeoisie, donc rapatrié, quand il y a un peu Martelly, le président Joseph Michel Martelly, qui te voit très mal, et jusqu'à présent, je dis que ce ti nèg ça, tête zo, qui cherche qu'on carreau, qui sorti dans la province, que le président Martelly te mette main sous lui, pour dire que c'est lui qui sera donc le prochain président de la République d'Haïti. Jusqu'à présent d'ailleurs. Eh bien, madame, monsieur, c'est quoi la situation? Tout ça nous est passé dans le pays, a pas innocent. Tout ça nous est qui prend le passé, qui a passé dans le pouvoir, Jovenel Moïse là, lui pas innocent et le pape jamais innocent. Il y a un hasard dans ce qu'a fait dans le pays. Et nous l'avons bien dit à l'émission Matin Débat. Je dis, Jovenel Moïse, comme président de la République, a en fait une certaine redevance, madame, monsieur, envers cette classe économique. Et ceci, c'est tout à fait normal. Si l'on mange l'argent Chango, il faut payer Chango. Ceux-là qui avaient investi dans la campagne du président Jovenel Moïse, appartenant à cette classe économique, madame, monsieur, il y a là-dedans qui est très frustré, je dis, Gilada qui est très déçu. Et Gilada qui décide que Jovenel Moïse va faire 5 ans. C'est ça qui a passé dans le pays là. Il y a deux bagages qui arrivent là, il faut nous faire très attention. Ou bien Jovenel Moïse, nous avons assassiné le pouvoir. Ou bien le président Jovenel Moïse, il a empoisonné pendant le pouvoir. Ou bien il y a une pression qui fait pour le quitter le pouvoir. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Parce que Guinée est frustré dans le secteur économique. Hein? Parce que le président Jovenel Moïse voulait apporter certains changements et décider avec sa fougue, quel que soit Jean-Saïa Fokli, pour des changements dans le pays. Et ceci, changement qui n'a pas intérêt. Certains secteurs donc de la classe économique, madame, monsieur. Notez pour moi, ce lundi 16 juin, à l'émission Matin Débat, ça que Mbaldine qu'on y a là. Il y a 4 contrats qui étaient passés sous la présidence du président Jocelyn Brivert. Comment bien? Jocelyn Brivert te baille 4 contrats à 4 secteurs clés dans le pays. 4 secteurs faisant partie du secteur des affaires. Le secteur économique. Et le président Jovenel Moïse arrivé au pouvoir, lui classe une question que la combatte 4 contrats ça, la combatte 4 secteurs ça. Et bien, mais toute bataille qui vient là, dans ça qui vient pas avec Jovenel Moïse comme président de la République. Même moi, c'est que gain de l'heure, on est goûté président de la République. Mis à part toute question de protocole, mis à part toute question. Et un rapport avec une certaine retenue comparé et un rapport avec le poste de président que vous occupez. Mais pour la grippe, il faut pas vérité à la nation. Hein? Tout problème Jovenel Moïse qui est là comme président de la République, parce que justement, lui voulait que lui-même c'est le président et que c'est lui-même qui vous menait destiné pays. Eh bien, tout problème qu'il y a là comme président de la République, c'est que. Il y a des contrats. Quelqu'un amène la rodia que le retirer dans des hommes d'affaires. Et que qui était déjà signé, adopté et avalisé par le président Jocelyn Brivert. Contrat numéro 1. Madame, monsieur, regardez les notes. En crayon maquille. Vous êtes à l'émission Matin Débat. Vérité assez là, vous le parlez.
Et cela l'a parlé, et cela l'a pas habitué à parler. Contrat numéro 1. Bon contrat qui a rapport avec question frontière. Et je dis à liberté ou à gagner sous frontière là. Je dis hein, question contrebande quoi que jusqu'à présent je venais Moïse pour capable de contrôler dans le pays. C'est à partir de ce contrat. Le contrat ça a monté 1 milliard 100 millions de dollars américains. Sous plusieurs années. Jovenel Moïse décide de couper contre ça. Même qui n'est dans le secteur privé, qui a fait l'agence, ça, qui parle d'accord avec Jovenel Moïse. C'est contrat numéro 1. 1 milliard 100 millions de dollars américains. Signé par le président Jovenel Moïse. Eh bien, Jovenel Moïse vini, il coupe contre ça. Il dit, il a sa pièce. Et que l'agence n'est pas capable de gagoter. Donc, sous pays pendant des années. Contrat numéro 2. Contrat ça, il montait 1 milliard 900 millions de dollars américains. Qui contrat lui d'après nous-mêmes? Contrat qui passe sous gouvernement privé. Pour en partie dans le secteur privé, contrôler pour eux pendant 27 ans. Bon, nous connaissons, oui. Ici, on a maté des balles. Nous, on a pensé que c'est monté. Comme si. Comme ça. 1 milliard 900 millions de dollars sous 27 ans. Ils ont parti dans le secteur privé, imposé à privé, que le signé. Mes amis, on compte un dossier de si grande importance. Comment fait-il nous penser contre ça? Contre un défait, oui. Mes amis, défait papier. Défait papier. Qui engageait l'État pour 27 ans. Pour on partir dans le secteur privé avec un contrôle douanier. Et la donne. Monsieur exigeait pour 8% de revenus douanières, vient dans poche la donne. Monsieur exigeait pour 8% de tout revenu douanière qui vient dans le pays, vient dans poche. Contrat a monté 1 milliard 900 millions de dollars. Jovenel Moïse, coupez ça. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission maintenant. Là. Jovenel Moïse, coupez ça. Contrat numéro 3. Dossier importe. T'es qu'on contrat dans importe là. Montant à 289 millions de dollars américains. Qui passait sous le président Jocelyn Brivère. Je viens de dire par ça. Là, il fait une évaluation. Il voit que c'est 130 millions de dollars. Contrat a dû coûter. Et puis là, regardez, il voit que le contrat a coûté 289 millions de dollars américains pour importe là. Jovenel Moïse, campé par ça. Il dit, par sa pièce. Mais une situation que, ti nèg qui sorti dans le nord-ouest là, nèg pas de père. Mais une situation, ti nèg qui sorti dans le nord-est là, yé, je dis, avec le secteur des affaires, madame, monsieur, le pays d'Haïti. Quatrième contrat. C'est question courante. Jovenel Moïse reviser, remettre tout contrat ça en cause sous table. Et puis il dit qu'il a fait courir dans le pays d'Haïti. Il n'est pas capable de un secteur seulement. Il ouvre dossier courant. Gabel d'offre qui fait un très combat qui besoin. Et bien tout nègre là fâché ou vexé. Parce que courant, monsieur Tap vendu à 40 centimes. Jovenel Moïse a une possibilité là pour le vendre courant à 10 centimes. Madame monsieur, mais 4 contrats. L'opre ensemble de comme ça, on lui fait en total, il y a un jeu sous 4 milliards 800 millions de dollars. Ok, mais ça gagne là comme bataille. Moi, c'est que l'important pour vous payer à connaître. Mais ça qui gagne là comme bataille, mes batailles qui gagne là. Mes batailles que Jovenel Moïse, il y a la donne aujourd'hui, comme président de la République. Maintenant, qui bataille que lui est là? Et nous te dit déjà dans l'émission à télé bas. Est-ce que la privé gagne bataille ça? Est-ce que qu'on y a secteur privé à privé gagne raison sous le président Jovenel Moïse? Madame, monsieur, c'est quoi le plan de ce secteur? De cette partie du secteur des affaires? Madame, monsieur, comprenez également que dans le secteur des affaires, il y a ce qu'on appelle les conservateurs. Il y a ce qu'on appelle les progressistes également.
Nèg qui c'est conservateur dans le secteur économique, là, il va gagner pour avec le pays. Il est seulement là pour question de l'argent. C'est là qu'on appelle les progressistes.